Bakugan au combat. Oui. Hello Athéna. Hello. Coucou Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. Laissez un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les filles? Bonjour Bakugan. Mais non, on joue pas Bakugan, je crois que c'est un challenge one color, on décore notre sapin de Noël. Bon, on va le faire, mais effectivement, vous adorez jouer au Bakugan, enfin surtout Athéna. T'as appris à Calice comment faire. Et c'est quoi les Bakugan? C'est des petites bouboules comme ça que tu lances, et après avec des trucs magnétiques, ils s'ouvrent, et après tu peux prendre la boue-truc. Exactement, et d'ailleurs, les Bakugan et Geogan, eh bien, sont à gagner sur notre compte Instagram, donc suivez-nous sur Instagram, effectivement, donc vous mettez vos combattants. Quand les combattants s'ouvrent, vous gagnez. S'ils ne s'ouvrent pas, vous ne gagnez pas. Si les deux s'ouvrent, eh bien c'est le maximum de points qui fait gagner le combattant. Allez, on peut ouvrir les, juste pour le fun, les Bakugan, regardez. Ouais. Tadam ! Oh ! Ouais. C'est le même, mais de couleurs différentes. Regardez, ça c'est un Geogan, c'est-à-dire que la forme n'est pas sphérique. Regardez. Si ! Yeah. Hop là. Hop. Oh, il est trop chou. Hop là. Génial. Ah, oh, mais c'est magnifique. Regardez ça, c'est un Geogan. Alors, tu veux faire le jeu Gat, Calice? Oh, waouh! Un Illuminati! C'est beau! C'est une toupie Blade! Bon, on a ouvert tous les Bakugan, Geogan. Voilà. Ils sont magnifiques. Allez, grand concours. Allez, gagner ça sur Instagram. Et puis, bah, du coup, nous, on va enchaîner avec ce challenge One Color. Ça vous dit? On va décorer nos sapins. Mais ils sont où, nos sapins? Ah bien, on va appeler nos sapins. Venez, les sapins! Et ça y est, on a nos sapins. Mais on a perdu Calice et Athéna. Ah! Bonjour! Non, la voici. Coucou Calice. Coucou. Et Athéna. Ah bah Athéna, je ne sais pas où elle est. Elle est hyper bien cachée. Si vous la voyez dans cet écran, c'est un petit pouce en l'air. Bon, puisque Athéna n'est pas là, Calice, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un décoré de certains du décolère. Voilà, je savais bien qu'elle viendrait, effectivement. Couleur challenge spécial sapin de Noël. Exactement, on va vous dire quelle couleur dans un instant, mais déjà on voudrait remercier pour la troisième année consécutive Interflora qui nous a fourni ces magnifiques sapins de Noël Norman. Qui fait des vidéos. Qu'on salue au passage, Norman. Et on va pouvoir aussi vous faire bénéficier de 15% vous aussi sur les sapins de Noël avec le code Bubble. Voilà, on vous met tout en description, le lien, le code, etc. Bon, on va déjà les déballer. Et après, on vous explique qui va faire quelle couleur. Ta-da ! Il est trop beau. Je prends toute la place. Alors, ça y est, Athéna. Oui. Ton sapin est magnifique. Coucou, Calice. Le tien aussi, regardez. Ils sont trop beaux. Ces sapins, ce sont des Norman, regardez. Fais des vidéos. Normal, quoi. Bon allez, c'est parti pour le challenge. Athéna, toi tu as voulu la couleur bleu. Rouge, donc tu as un carton rouge. Tu te débrouilles avec tout ce qu'il y a là-dedans, c'est que du rouge. Ça c'est un tour de sapin. Voilà. Oh cool. Et toi, t'es parti chercher le carton rouge. Effectivement, il y a un carton jaune doré. Pareil, attention, il y a des choses fragiles comme ceci. Le but bien sûr, c'est de décorer vos sapins, mais aussi les lucarnes qu'il y a derrière. Joyeuses fêtes, Marquée. Elles sont parties. Tiens, moi, j'ai un. Elles sont parties. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis pas loin. Allez, c'est parti pour ce One Color Challenge. Je construis une décoration de sapin de Noël. Oh, vous savez qu'en Allemagne, il y a un traîneau avec le Père Noël qui vole, on peut le voir. Ah bon? Ouais. Alors, un petit tour de sapin. Qui arrive, Athéna? Ouais, je le mets comme ça. Oh, il a une jolie robe, ton sapin. C'est bien, c'est qu'elle est petite, elle peut aller sous le sapin, Athéna, comme ça. Eh, n'empêche qu'en plus, je crois qu'il s'allume. Ah oui. Et trouver l'interrupteur. Bon, ben, je crois que ça commence à prendre forme. Alors, pendant que vous commencez cette déco, regardez comme c'est beau d'ailleurs, on a enlevé notre maison en carton, vous avez remarqué, on a mis de la jolie déco. En fait, ça représente un profil de chalet, de village même, avec une petite cheminée, avec un petit nuage en forme de licorne peluche. Et les filles, oui. En plus, bien sûr, de décorer le sapin et les petites lucarnes, ouais. Vous aurez aussi des petites friandises gracieusement offertes par Croque ta box, donc il y a des petites friandises rouges, des petites friandises jaunes. Voilà, c'est Noël, c'est normal. C'est beau, miam miam. Bon allez, faites-vous plaisir, quelque part dans les sapins ou ailleurs. Alors ça, tu vois Calice, c'est pas pour décorer le petit bonhomme normalement, c'était pour toi. Ah ça y est, on verra tout à l'heure quand on va éteindre bien sûr, hein, quand ça sera magnifiquement décoré et illuminé. Et je vais déjà éteindre un petit peu, remarque. Ouais. Allez, petite ambiance, on a éteint un petit peu de lumière parce que je voulais aussi montrer, eh bien regardez,
notre décoration de Noël ici, comme tous les ans. Même le nounours, il est en guirlandais. Ah, c'est beau. Magnifique. Oh, elle est trop belle en fait, tu as remarqué? Il y a des petites bouboules. Regarde. Oh, mais c'est quoi ça? C'est des petits nounours. Des petits nounours accrochés dans le sapin. C'est tout doux en plus. Ah, c'est choupi. Ah, bah ça, c'est... Je vais les mettre que devant. Oui, parce que regardez, il y en a plusieurs. C'est très peluche kawaii, quoi. C'est du. Ouais, c'est pour Athéna, ça. Ça va, tu t'en tires, Calice? Ouais. Ah, c'est toujours agréable de décorer les sapins, de faire les décorations de Noël. C'est bientôt Noël? Ouais, oui. Ah, faut faire ça en famille, c'est de la joie, c'est du bonheur. Donc là, on fait en version chacune son le sapin. Petit mais. Kiki. Mais ah, c'est fun. Ah, oh, oui. Oui, petit poussin. C'est pas un poussin. Un il est trop beau ce casse-noisette doré. Il y a un poussin, il y a des airs, regarde. Oh. Ah, c'est très marrant ce One Color Challenge pour un sapin. On n'avait pas encore fait ça. Hein. Ah là là. C'est rigolo de trouver des idées différentes à chaque fois. Je suis la Père Noël. Je suis la Mère Noël. Champagne. 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 Ça marche pas du tout. Non. Okay. Bon, on oublie. Ouais, c'est un pétard mouillé ça. Il est un petit peu plus avancé celui d'Athéna. Ah! Oui, parfait! C'est du bien! Elle est belle cette boule. Ça coûte 80. Ah ouais, on dirait qu'il y a du tissu autour. Mais il y a du tissu autour. Ah, c'est marrant. Ça aussi, c'est le tout. C'est un crime! Quoi? Il y a une boule bleue dans sa boule! Oh, oh mon dieu! Non! Il faut la tuer! Oh non! Oh, c'est trop! Est-ce que j'ai le droit de prendre les petites pommes de pain? Les petites pommes de pain, je peux les mettre? Ouais! Je peux les mettre? Ah, bien sûr! Calice, regarde, moi j'ai ça! Ouh, et dans quelques jours! Vous l'avez c'est demandé, eh bien il y aura notre swap de Noël, comme l'année dernière, avec, je vous le dis, des cadeaux personnalisés, mais vous verrez. Ah, ah. Vous allez voir, ça va être top. Non. Ah, un peu de chocobon. Côté friandise, Athéna. Et le petit Père Noël. Et après, tu fous tout ça dans le petit sac. Et tu vas mettre ça où? Dans la lucarne. Côté lucarne, côté calice, il y a Casse-Noisette avec ses jolies lunettes. Merry Christmas. Oh, mais c'est une guirlande, en fait. Ah oui. Ah bah ça tombe bien parce que je trouvais que c'était pas assez en guirlandais chez toi. Ah et franchement là, je sais pas qui va gagner parce que là vous êtes magnifiques toutes les deux. Hein. Ah dans quelques jours, le 25 décembre, c'est... Onle. Quoi? Mais non, c'est pas Onle. Bah si. Mais non. Ah non, mais il y a écrit Noël. Bah oui, mais à l'envers. Le no. El no. El doctor no. Viva España. Qu'est-ce qu'il y a, Gaïs? Ah bah voilà. Là c'est bien. En plus ça tient. Oui. Bon. Allez, vous êtes sur le point de terminer. On se retrouve là, maintenant, pour découvrir vos sapins illuminés. C'était pas très impressionnant. À ton tour, Athéna. Ah, tu veux que je t'aide, d'accord. Ah. À voter. Waouh. Alors, regardez-moi ça. Petite ambiance tamisée. Je pense que le moment est venu d'inaugurer ces deux magnifiques sapins. Rouge versus jaune. Attention, 3, 2, 1, lumière. Ouais. Wouh, wouh, wouh. Même le bonnet, il s'allume en rouge. Athéna, on commence par le tien. Allez, regardez-moi. Déjà, cette petite étoile rouge. Rouge avec ses petites guirlandes lumineuses rouges, ses petites boules rouges, ses petits nounours rouges. Et aussi, ah là, la robe de sapin qui est rouge. Non, non, on peut laisser allumer. Ah oui, tu voulais montrer, regardez. Cette magnifique petite boule de neige qui s'allume. Là, allez, on rallume. Regardez-moi cette lucarne Athéna. Donc, il y a une petite corne d'abondance avec des chocolats, bien sûr, tout rouge, qui sortent. Il y a une grosse chaussette bourrée de chocolat aussi, je suppose. Il y a des... Ah bah super, des gourmandes. Il y a des petites pommes de pain rouges, des petits cadeaux rouges. Il y a même des petits sucres d'orge rouges. Et tu prends un chocolat rouge. Il y a des petites boules de neige sur ton siège, trône en carton. Rouge. Voilà, alors dans le sapin, on a vu tout à l'heure, il y a plein de choses très sympas. Elle est magnifique cette boule. Avec des boules de polystyrène dedans. Il est très, très
Beau, Athéna. Waouh. Top. Et du côté de chez Calice. Tadam. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Avec la cime, on l'a vu tout à l'heure, qui n'est pas une étoile, mais qui est une cime, un cimier jaune doré. Avec. Oh là là. Allez, montez ici, la boule en tissu, elle est trop belle, t'as raison. Là, il y a. C'est joli aussi. C'est pas une boule, mais c'est. Je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, c'est très mignon. C'est pas la fête. Oh là là, t'es trop mignon aussi, ça, de la fausse neige. Un petit renne, plein de boules super jolies. Ah oui, la guirlande lumineuse, regardez. Elle est trop belle. Elle est belle, hein. Avec des formes découpées en forme de renne. Il y a la petite guirlande cadeau. Il y a une guirlande avec une petite cloche. C'est choupi, petite cloche. Mais là, pendant que j'admire ton sapin, Cali, j'entends crépiter un feu de cheminée. Je ne savais pas qu'on avait une cheminée. Oh, on a une magnifique cheminée. C'est Google Home. Merci. Oh, c'est sympa, Google. Avec casse-noisette, des petites lunettes dorées, des petits bonbons dorés. Il y a des trucs, c'est doré aussi. Il y a des cadeaux dorés, il y a des pièces dorées, il y a des sucettes dorées. Oh, c'est beau. Trop beau. Des petits lutins dorés. Ouais, cette petite bougie. Magnifique. Ben voilà, je pense que là on a fait le tour, Calice. Bon, et ben magnifique. J'ai envie de laisser dans cette ambiance de fête avec la petite déco là-bas. Ça y est, elle on est prêts pour Noël, nous. Elle a cassé la sucette. Elle a cassé, elle a cassé. C'est pas grave, on va la manger quand même, vous inquiétez pas, ça va être bon quand même. On va se régaler. J'espère que vous aussi vous êtes régalés avec cette vidéo, vous avez passé d'excellentes fêtes très bientôt. Mais ça va venir vite. Voilà, nous on est prêts. On est dans les starting blocks. Et puis voilà, si vous avez préféré le sapin de Noël d'Athéna en rouge, laissez un petit pouce en l'air. Et pas un pouce rouge. Et si vous avez préféré le sapin de Noël de Calice, eh bien laissez un petit pouce jaune. Ça marche. Gros bisous, c'était ce challenge One Color, un sapin de Noël décoré. Challenge. Merci à Interflora, le code pour avoir 15% Bubble et le lien en description. Merci à Spin Master pour les Bakugan pour cette vidéo sponsorisée. Oui, et oui. Puis merci aussi à Retrobox pour les petites friandises. On se retrouve très vite. Et dans quelques jours, on se fait notre petite vidéo swap de Noël. Noël. Avec vous, les filles. Oui. Allez, d'ici là, plein de gros bisous et n'oubliez pas. Soyez vous, soyez bien, soyez bon et vivez bon. Miam. Pomme.